Allez, c'est parti, pouf pouf YouTube, pouf pouf Twitch. Je sais pas si on m'entend. Si, c'est bon. N'hésitez pas à vous abonner, à vous follow sur la chaîne Twitch. On va aller rejoindre Florentin qui nous attend. On va baisser le son. C'est cool. Alors, je n'étais pas dans le groupe, c'est pas cool. Ah, salut. Salut Armag. Comment vas-tu? Ouais, je sais. On retrouve deux équipes qui sont à égalité de points, Pierre. Deux équipes très proches, c'est le moment de on change tout, passer hein. pour en direct au classement. C'est la 21e édition de la Coupe du Monde que certains pays ont raté. Hein. Je pense aux États-Unis, qui généralement est toujours qualifié, qui s'est fait battre, et puis en Europe, les Pays-Bas et les Italiens. Ouais, on commençait à s'habituer à voir les Américains, mais pas cette fois. Les Hollandais, ils sont clairement dans un trou de génération. Le grand drame national. Olivier Giroud. Oh, le but! L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu oui. très longtemps Attends, j'ai pour baissé voir le ce son. premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques Ouais, ajustements c'est du tactiques de monde. part et d'autre. Superbe action, vraiment. Avec ce bon centre d'abord, Ouais, on ça va, ça va. va jouer ce admirer. On voit que le joueur est bien sur ses appuis avant de se détendre. Après, bah, il dépose le ballon exactement où il veut. Les Bleus qui font la course en tête dans cette partie.
Après, il y a 37 km/h sur le terrain. Müller, l'Allemagne avec un bon ballon à négocier. Ah, attention, le tacle où il a bien fait de sauter. C'est contré. Kanté. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Thomas Lemar. Et un deuxième but, pratiquement dans la foulée du précédent. Ouais, c'est que ça veut que ça met du temps. Un but hors de temps, un peu chanceux certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Ça fait 2 buts à 0, 2 buts de débat. Attention, il y a un peu on va comme l'autre fois. Ouais, l'attaque enrayée. Mais oui, c'est qui le patron? Eh, fais gaffe à mon 37 km/h, toi. Ah bon. Ouais, l'Allemagne, ça se voit qu'ils sont éliminés. Hein. Dans un angle impossible. Il n'a pas choisi la facilité, mais bon, il a tenté. Et comme ça passe pas loin, ça peut l'inciter à recommencer. Bien. On s'approche du but. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Les Otozil. Ouais. Qui garde le ballon. J'ai jamais fait moi. Que dira? Ah bah quand même. Oh, le but pour l'Allemagne. Et même à la marque désormais de Bizarre. Oui, il a marqué. Durant de CDB. N'Golo Kanté. Les 30 derniers mètres. Merde. Il a été intercepté cette passe. Le gardien qui repousse, attention! On touche, on va donner un pied de biais. Il y a le secteur. Ah, la passe en profondeur, attention! Oh, faute là! Olivier Giroud. Attention! Ouais, il repousse, ça joue! L'équipe adverse. Ouais, défenseur qui est passé. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ah ouais, c'est bien fait ça. Oui. Ah dommage, le manque de précision, c'était bien vu pourtant. Ce ballon qui est hors jeu. Sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus. Hein. N'Golo Kanté. De quoi? Oh, c'est beau, il est. Ah, il est balèze. Hein. Je sais pas, l'autre fois, on a joué ensemble, il joue bien. Et il dégage. Je sais plus. Il y a un secteur. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Il était bien placé pour intercepter cette passe. L'Allemagne qui attaque. Ouais, ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Le ballon qui sort en corner après ce très bon tacle. Ouais, pas mal, hein. Pas mal cet arrêt, Pierre. Ah, splendide, bel effort pour continuer son but. Allez, pleine surface. Titi. Je vous jure, il fait une frappe comme ça, lui. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder, mais non, je crois pas. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Les récepteurs. Sami Khedira, Thomas Müller. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Samuel Umtiti. Mais non, pas là. Ouais. Allez, 37 km/h court. La bonne anticipation de Mats Hummels.
On va rien, mon gars. Cette course, l'autre fois, là. Dirait que c'est libé. Ouais, je regardais ça dans le tracteur, moi. J'ai regardé les matchs dans le tracteur, mais j'étais bien. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être Ah annoncées. si, bah rien, mon gars. Les récepteurs. L'équipe de France qui va effectuer la remise en jeu. On s'approche des buts. On va obligé de travailler, hein. Faut bien ramener un peu de salaire, hein. La France va bénéficier d'un corner. Allez, pleine Parce surface qu'il y avait cette aucun occasion papy qui est là, d'ouvrir c'est ça. le dégagement pour éloigner le danger. Et mes followers, c'est tous ceux qui sont L'arbitre chez qui OK va. Papy. C'est pas chaud, Retour moi, du public encore. pour cette seconde période. Ils ont pris l'avantage tout à l'heure. J'espère qu'ils auront autant de réussite d'ici la fin du match. Oui. Ou Nettement le tenté. gagnant prend le gagnant de l'autre. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. La passe est interceptée. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. L'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ouais, la lutte après, on peut reprendre ce ballon. Ouais, on passe par le côté. Centre à destination de ses partenaires. Attention, parce que la menace est toujours là. Griezmann, la frappe. Griezmann, pas de soucis pour le gardien. Kevin Draxler. L'arbitre qui laisse l'avantage au joueur allemand sur cette action. Ouais, pas pour l'instant, Müller. attends. Ah non, l'action ne donne rien finalement. La passe était trop appuyée. Un bon pressing du défenseur qui le force à sortir du terrain finalement. Vous avez pensé quoi de la prestation d'Olivier Giroud jusqu'ici? Il a doublé, qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main Vous désormais. étiez sur GTA, ils ont rajouté quoi de plus sur GTA, pas rien. Ça n'ira pas plus loin. Et il est dépossédé du ballon. Kylian Mbappé. Le centre. Pas facile pour le gardien. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage. La voie était libre, mais il y avait hors-jeu. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, qui veut conserver ce résultat favorable. Et 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Antoine Griezmann, les 30 derniers mètres. Oh, la bonne occasion pour Olivier Giroud. Ah, il a bien senti le coup, il s'est intercepté. Ah, écoute, c'est fait d'arbitre, un jeu. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est Il simple, va bien, mon aider ses cousin. partenaires à tenir le résultat. Il perd le ballon. Thomas Müller. Samy Khedira. On va écouter ce que tu fais avec lui. C'est pas mon cousin, hein. Personne de ma famille, lui. La touche à venir, après ce contact. La touche est ratée et le ballon est perdu. Il faut qu'il centre maintenant. Le gardien qui va pouvoir se dégager avec une sortie de but. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Un bon ballon d'attaque. Une tacle. Benjamin Pavard. Griezmann. Non. Passe interceptée par Khedira. Ah, je crois qu'il allait lui faire la Une bonne passe. anticipation sur cette passe. La Oh, pas frappe lui. file. Draxler. Mais non! Oui, Qu'est-ce qu'il fait effectivement, lui? Hervé, les joueurs ont bien fait de s'accrocher, ils reviennent à égalité avec leur adversaire. L'heure a été menée par 2 buts d'écart. Et en plus, Ah, maintenant, c'est les Dibé, écarts qu'est-ce qu'il se délivrent branle? clairement pour eux.
Belle rencontre, un score de parité maintenant de. Ah, c'est Dibé. N'Golo Kanté. Benjamin Pavard. Mais non, Pavard de merde. Mesut Ozil. Mesut Ozil, allemand, mais bien sûr d'origine turque, vous l'aurez compris. Oui, il est né à Gelsenkirchen, dans le bassin de la Roure. Bon, il y a tellement de clubs pro dans la région que c'était à qui il mettrait la main dessus le premier, et c'est Schalke 04 qui a décroché le premier. Attention, il a du champ devant lui. Oh, il a perdu le ballon, attention. Il s'est traversé par Dupont, le gardien. Toujours pas d'avantage à son équipe pour cette action-là. C'est bien vu de la part du gardien. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Oui. Regardez ce que dit l'arbitre. C'est qu'il reçoit un carton jaune pour cette intervention illicite. Oh, bien sûr, il touche le ballon. Ce serait bête de se faire expulser. C'est pas roulé par terre, ton frère. Boateng. Je crois qu'il avait frappé, mais non. Qui prend sa chance. Gardien qui se détend parfaitement bien. Bonne intervention du gardien. On en reste sur ce score de parité. Corner hyper important pour les Allemands. Ah, c'était dangereux. Mais la défense, c'est. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Option qui n'est pas encore terminée. Mais je. Oh, il ne lève pas. L'occasion, il fallait pas l'arrêter, il y en a pas beaucoup des occasions comme ça. Connard. Ah non, c'est sûr, c'est bien pour ça qu'il faut pas les louper. Ah oui, mais il l'a pas levé. Ah non, le ballon est perdu. La passe lourde pour Olivier Giroud. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. N'Golo Kanté. Olivier Giroud, la passe est mal assurée, c'est une interception. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Ah oui, hors-jeu. Il est parti un petit peu trop tôt. Il va être célibé. Attention, ça peut être dangereux. De la Coupe du Monde. Ouais. C'est qui joue contre moi alors du coup? C'est mort, moi. Oh, Lionel Messi, il est en train de pleurer. Oui, pays, hein, si tu veux. Oui. Vas-y, je t'attends. En international. Le Portugal aussi éliminé. Il reste plus que la France en grosse équipe. Alors la Russie, c'est pas une grosse. Ouais, s'il passe.
Allez, ça y est, ce choc entre la France et l'Espagne qui démarre enfin. Le monde est très motivé. L'Espagne qui a rarement été en réussite face aux Bleus en Coupe du Monde. Ah, c'est plus attendu, hein, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Alors que vous découvrez la composition de l'équipe d'Espagne. C'est donc un 4-5-1 classique, hein, que l'on va retrouver dans cette formation. L'Espagne. Pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. À la passe était dangereuse, mais la défense s'est montrée vigilante. Et l'attaque va s'arrêter là. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Iniesta. C'est un bon ballon pour les Espagnols. Georges, je ne touche pas. Je ne touche même pas ton fer. Certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir. Alors, tu joues. Je sens qu'on va changer de tireur dans cette équipe. Un très très mal tiré, ça. On a l'impression qu'il a changé d'avis au dernier moment. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Je sais pas, vous vous débrouillez. Espagne qui se porte à l'attaque. Y'a pas, y'a rien, y'a rien. Le gardien qui repousse, attention. Elle est peut-être dangereuse cette touche là pour l'Espagne. Andrés Iniesta. Il trouve Diego Costa. N'Golo Kanté. Et ce France-Espagne qui s'annonce vraiment passionnant entre deux nations qui ont déjà été sacrées championnes du monde. Ouais, elles ont connu le bonheur. Finalement, elles demandent qu'elles aient du cas nouveau. Le boulot à l'attaque avec ce ballon. La passe lobée pour Olivier Giroud. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Diego Costa. Allez, il y a du monde autour de lui. Il joue tout seul. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Antoine Griezmann. Ah, faut pas jouer tout seul, t'as déjà vu toi au foot qui joue tout seul. Diego Costa. Ouais, très bonne intervention défensive. Allez, il va pouvoir amorcer un contre. Olivier Giroud. Oh, heureusement que ton défenseur est là, mon gars. Il perd le ballon. Il y a faute là. Ouais, le tacle, ça sort en touche. Ici, tu la touches. Non, tu la touches. Toujours, il la touche du bout des pieds. Il la touche. Ouais, il scope qui intercepte cette passe. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Toi, tu bouges pas, toi. Ah, comment je fais arrêter aussi. Toi, tu bouges pas, et hop, il a pas bougé. Et ouais, go. Ça, c'est beau, ça. Blaise Matuidi. La frappe. Oh, oh là là, le chat, mon gars. Corner à suivre. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Mais c'est quoi ça? Andrés Iniesta. Direct Sidibé. C'est une city, hein. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Oh putain. Ok. David Silva. On s'approche du but. La passe est interceptée. Les attaquants français qui sont quand même en grande difficulté dans ce match. Isco qui continue de progresser vers le pied. Iniesta. Ok. Busquets. Iniesta. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Alors, après tout, pourquoi pas. Le centre. Non.
Busquets. Enfin non, t'as pas le temps de tirer, hein. Le long de la ligne de touche. Toi, tu bouges pas encore. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est un coup franc pour l'Espagne. Ah, ton joueur il a pété un pont. Bon, il s'est arrêté toutes les 5 minutes l'autre. Et en plus sans faute. De plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. David Silva. David Silva, encore quelques mètres. C'est la mi-temps. Mi-temps. Zéro zéro. C'est le premier qui marque en gros. Espagne, la suite de cette grande affiche. On a hâte de savoir ce que ça va donner. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. C'est un bon ballon pour les Espagnols. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Non, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. En bas de cette distance, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour espérer quelque chose. Ou être fou. Ouais, ou être dingue, ouais. Thiago Alcantara. Il s'avance vers la surface. L'intervention du gardien qui est venu lui prendre ce ballon. Ah, le gardien donne un sourcil à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Mais putain. Okay. L'autre, il fait pas de passe, quoi. David Silva. C'est fait, toi. Les Espagnols obtiennent un coup franc, donc. Non. Toujours il est séché. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Allez, 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 Mbappé. Oui, non, faute là. L'attaque est stoppée. Benjamin Mendy. Mais non. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Un bon ballon d'attaque peut-être pour l'Espagne. Thiago Alcantara, oh c'est une occasion de but. Quelle grosse merde, mon gars. Comment tu la mets pas dedans, quoi? Ah ouais, je t'ai fait une lucarne, mon gars. Tu l'avais, ton 1-0, mais allez, un peu de patience. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Carvajal. Sergio Busquets. On a atteint l'heure de jeu. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Kylian Mbappé, Olivier Giroud. Oh putain! Elle a peut-être une bonne occasion. On trouve Diego Costa. Allez, ça sort, ce sera un corner. Oui, oui, il y a toujours Grisou qui est là. On était vraiment pas loin du but. Allez, le corner de Coquet. Ouais, pas terrible, hein, le dégagement. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Oula. C'est une touche pour l'Espagne. Jordi Alba. On écarte le jeu. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Ah, c'est pas ce qu'il voulait faire. Tant mieux pour le gardien qui s'empare du ballon. 0-0, voilà, on fait un match et on sait qui marque le but, quoi, à gagner. Diego Costa, quel but, oh, magnifique. Ah, le but qui fait mal, Pierre, on va pas douter. Si, si, 1-0. Le titre, tout simplement. Il a de la chatte. On peut se retrouver dans cette situation à ce moment-là de la saison, la pression est peut-être à l'origine de tout ça. Les supporters en ont pris un coup, je peux vous le dire. Une ténacité qui paie bien. Cette équipe joue bien, se crée des occasions. Voilà, la récompense est au bout. La Roja qui est devant à la marque dans ce match. Blaise Matuidi, un bon ballon qui va peut-être. Mais oui, il est gêné. David Silva. Le ballon qui est sorti au bénéfice des Bleus, touche pour la France. David Fekir.
Busquets. Ça, c'est un jeu collectif. Thiago Alcantara. Chaque joueur touche le ballon, moi. Durex Sidibé. Peut-être. Kylian Mbappé, il stoppe son action, il était hors jeu. L'entraîneur qui sort son joueur. Il n'a pas vraiment le choix, il se rend bien compte qu'il est en difficulté dans ce match et ça pèse sur le rendement de l'équipe. Carvajal. David Silva. Espagne qui se porte à l'attaque. Kanté. Cameroun Titi. Fekir. On a vu que le ballon avait été touché par les défenseurs avant de sortir. C'est donc un corner. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe. Hein, de... Nabil Fekir. C'est sans problème pour le gardien. Ça va être compliqué. Défaite interdite. Sous peine de voir le titre s'envoler. Et c'est pourtant le scénario du match qui est en train de s'écrire. Eh oui, plus que quelques minutes en effet. Et toujours ce but de retard. Leur chance d'être champion me paraît désormais bien mince. Ah, ça ne passe pas. Et le score qui n'évolue plus, les deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça. Ah, ce sera un coup franc pour la France. Ah non? Diego Costa. Il y a du monde sur lui. N'Golo Kanté. Et l'attaque va s'arrêter là. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Oh, pénalty! Oh, genre, il tombe à l'extérieur, pénalty. Ah, pénalty! Allez, la faute dans la surface et le pénalty. C'est pas grave. Oui, le jaune me semble mérité. Et il transforme son pénalty. Du bon côté, j'avais plongé du bon côté. On voit la course d'élan et le but. Lui a remporté donc face au gardien, c'est propre. Il peut rien faire, Loïc. C'est une lucarne. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Il ne reste que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Direct Sidibé. Oui, genre. L'arbitre a décompté 3 minutes hein, de temps additionnel. Kanté. Ouais, bon mouvement amorcé oui. Par les bleus. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Voilà. Ce ballon qui sort en touche avec cette tête. Ousmane Dembélé. Isco. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Oui, c'est pas grave. Donc j'ai gagné un succès. Bon, ouais, j'attends Armag. Non. Ah si, le gagnant de la partie. Non, le perdant de la partie, pardon. Ah, je sais pas. Ah, cool, encore. Non, non. Ça serait trop beau, mon gars.
Ouais, il joue à peu près comme moi, Armaga. Un peu plus sévère. Ah, tu demanderas à Membre. Ces joueurs, ils n'arrivaient pas à passer au bout d'un moment. Non, je joue collectif, moi. Non, moi je dis y a pas de place. Voilà, en plus c'est à Valou, hein. Oui, mais Ah non, j'ai un moi. Valou aussi, il y a zéro. Bah Eh si, j'ai un moi. Bien sûr, et ta sœur. Regarde le live. Regarde le live, combien j'ai marqué de buts. J'en ai marqué 40. Qu'est-ce qui... Il est passé de 0. Ah, t'as vu cette frappe-là? Poum. Elle s'est déposée. Bien joué. Au pire, faut que tu sois membre, faut que tu l'invites au pire. Allez, viens. Viens, Flo. Encore? Encore l'Espagne? Je me suis tapé tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Il a pris les belges. Peut-être manger une tour en l'air. Le duel entre la France et l'Espagne qui Toi. démarre à l'instant. Des deux côtés, la même envie de gagner, c'est quand même un choc. Ouais.
On en reparlera dans 2 minutes, il t'aura mis 4. Définitif de l'équipe de France pour ce match. Vas-y, les titulaires. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Ouais, avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Alors que vous découvrez la composition de l'équipe d'Espagne. C'est donc un 4-5-1 classique hein, que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Isco, c'est un bon ballon pour les Espagnols. La touche, très bonne intervention défensive. Jordi Alba. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Oh, y a faute là. Allez. Kylian Mbappé. Neymar. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Allez, Plens. Umtiti. Bah, pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. Vas-y. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Isco qui continue de progresser vers le pied. Iniesta. Attention à la frappe. Et ce sera encore mieux pour l'équipe d'Espagne. Un corner de ce côté, nous, ça va. Eu envie de frapper ce corner devant le but. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Isco. David Silva. Allez, peut-être une bonne occasion. Il centre au second poteau. Oh là 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 là. Il est tout seul quoi. Tout le monde était sur ton joueur quoi. Forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé Pierre. C'est toujours extrêmement rageant de marquer contre son camp. Ah mais il faut l'accepter, c'est des choses qui arrivent. Flo. Pour l'instant. Flo pour l'instant. En 1-2. Paul Pogba. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Choisit la frappe. Corner de l'équipe de France. Dans 2 secondes. Hein. J'étais voir mon fils. Allez, pleine surface. Le corner de. Oh le poteau. Oh là là. Ah non, le ballon est. Elle la voilà la frappe. Mais c'est quoi ça? Présent, hein, sur cette action. J'arrive pas à en mettre un. Alors que la sortie, c'est une touche pour l'Espagne. Andrés Iniesta. Jordi Alba. Quoi? Iniesta. Non, elle a été interceptée cette passe. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'équipe de France. Attention. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Je vais lui donner à manger après, c'est ce qu'il y a. Et le ballon toujours pour Iniesta. La bonne passe d'Iniesta. Attention. Oh, genre. Ah oui, le match qui est en train de lui échapper pour le moment. Et avec ce but, il voit le titre prendre un peu de distance. C'est vrai que les choses se compliquent un peu. Hein. Espérons qu'il puisse retrouver des ressources pour revenir. Le gardien qui s'incline sur cette frappe extrêmement précise. Ce genre de ballon, quasi impossible à aller chercher. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Oui, il n'a pas les fautes, quoi. Ah, trop mal dosé cette passe pour être efficace. Ah oui, Coquet dans l'espace. Leur jeu, lui. Ballon, bien. La frappe. L'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile.
Allez, après tout, pourquoi pas. Elle parvient à stopper cette offensive. Le public. Et c'est un petit peu comme si le public avait vu qu'il y avait la place pour marquer. Ouais, il s'est exécuté, il a bien fait, le but est superbe. Ah, quand le ballon passe juste sous la barre, comme ça, c'est quand même assez imparable. C'est vraiment placé au millimètre. Hein. Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2 buts à 1. Là, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif, qui est très compact. Ok. Oh, attention. Très belle chevauchée. Même s'il n'a pas trouvé le chemin défilé à l'arrivée. Ah, j'y ai cru pourtant, belle action. Raphaël Varane. N'Golo Kanté. Et finalement, il perd de ce ballon. Espagne qui se porte à l'attaque. Ah oui, l'arrêt réflexe. L'arrêt réflexe du gardien magnifique. Ah, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Corner qui est joué court. La petite passe en cloche. Ah, ça aurait pu marcher, mais c'est mal dosé. Oh, il la manque. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas bien. Mais c'est bon. Comme ça, surtout à ce moment du match. Oh. Ok. Morata. Ah, il vient donner. Attention à Morata. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu.
voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. Les Espagnols qui ont pris l'avantage dans ce match, on les retrouve à l'entame de cette seconde période. Sergio Busquets. Carvajal. Le ballon est perdu après ce mauvais dégagement. Berrea. Busquets. Allez, attention, corner et qui va donner à l'équipe l'occasion de recoller au score. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? Sur le plan personnel, tout va bien puisqu'il a marqué, mais son équipe court toujours après le score. Hein. Allez, pleine surface. Le Kylian Mbappé. Ouais, c'est tombé en fait, mais là. C'est bien fait. Une sortie à laquelle on s'attendait un petit peu, hein, Pierre. Oui, nous, et sûrement le joueur lui-même. C'est très bien qu'il a raté son match. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Isco. Morata. Carvajal. Il n'y a personne pour venir contrer Carvajal qui va s'engouffrer sur l'aile. Mais non. Oh, il est marre. Iniesta. Le joueur qui se replace pas. Iniesta. Est-ce qu'il peut se saisir de ce ballon? Ah non, le ballon est perdu. Allez, par-dessus, pas mal. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Antoine Griezmann. Nabil Fekir. Griezmann. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Du coup, par le gardien. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Benjamin Mendy. C'est dans le paquet. Ah, bon centre, mais la défense est sereine. Il parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Là, il continue, Pogba. Oh là là. Il cherche Kylian Mbappé par-dessus. Là, le centre qui ne donnera pas grand-chose. Ah non, ballon perdu. Paul Pogba. Antoine Griezmann. Pas mal, c'est pas ça, c'est cadeau. Isco qui petit fait de l'arbitre, c'est un coup franc pour l'Espagne. Et on voit qu'il commet bien une faute, hein, sur ce tacle. Ah, mauvais tacle, hein. Il est en retard, il commet la faute. Bon, on s'y attendait un peu, hein. Il va être remplacé.
Match complètement raté pour lui. Je pense qu'il sera d'accord avec nous. Il reste exactement 20 minutes à jouer. C'est ça. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Libé. Alors il continue. Un bon pressing du défenseur qui le force à sortir du terrain finalement. Samuel Umtiti. Il fait caca. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Fagaret. Direct Sidibé. Tolisso. Le centre vers ses coéquipiers. Les minutes qui défilent et les joueurs qui accusent toujours ce petit but de retard. Et ça veut dire qu'ils ne seront sûrement pas champions aujourd'hui. Et qui marque deux fois maintenant pour décrocher ce titre. Ce que j'ai vu d'eux dans ce match, j'y crois pas trop. Hein. Attention, il a du champ devant lui. Et ce ballon qui traîne. Encore 7 minutes à jouer. Non, elle a été interceptée cette passe. Ce sera un coup franc pour les Espagnols. Oui. Un changement normal après tout, ce n'est pas à eux de faire. Mais moi je serais pas là parce que. Ouais, il lui rend en première intention. Et Benjamin Mendy à l'interception. Non, je vais m'occuper de mon fils. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes hein, pour recoller. Mais il est malade. Ah ouais. Il n'y a plus de temps à perdre, hein. C'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe. Ouais. Ça va chauffer dans la surface. Corner pour les Bleus. De Garay. Attention, le corner frappé par Dembélé. La frappe. Ouais. L'action qu'il ne fallait pas gâcher. Ballon important, dommage. Enfin, le plus grave, c'est qu'il s'est complet. Avec un tir. Oh, le ballon au fond. Magnifique. Ben, ce but qui sonne peut-être la révolte de cette équipe. Un but qui redonne espoir aux supporters. À eux de poursuivre sur cette dynamique. L'égalisation, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour décrocher le titre. Il reste une marche à franchir encore. Ça me donne toujours des buts spectaculaires. Hein. Quand le ballon frappe là-bas, transversal avant de rentrer, j'adore ça. Mais ça, c'est parce que t'es gourmand. En fait. Vas-y, j'arrête. Attends deux secondes, ouais. Je reviens. Ousmane Dembélé. Ça va être compliqué. Les deux équipes. Il centre au second poteau. Allez, pleine surface, le corner de lui. Oh, le poteau! Et le ballon toujours pour Iniesta. La bonne passe d'Iniesta, attention. Elle parvient à stopper cette offensive. Et puis, allez, pleine surface, le corps. Kylian Mbappé. Le gardien qui repousse. Il centre au second poteau.
Allez, pleine surface, le corner de Grillet. Oh, le poteau! Et le ballon toujours pour Iniesta. La bonne passe d'Iniesta. Attention. Et il parvient à stopper cette offensive. Non, non, c'est là, c'est là. Bon. Ouais, du coup, mon fils, il a la diarrhée. Ah, c'est chiant. Ah, si, 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 je vais streamer en même temps, je m'occupe de lui. Non, non, je reste sur FIFA.
Alors tu dis quoi, France et Uruguay? Moi je dis que la France va peut-être gagner. Ils ont pas Cavani. Allez, c'est parti. Le premier ballon en cours à Manchester City. Ouais. C'est pour l'attendre, hein, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce. Et le tir de Kun Agüero. Ah, la frappe un petit peu trop enlevée. Dommage. Cours. Mbappé. Ça part bien. Action dangereuse. David Silva. Oh, le défenseur, il n'a rien compris là. Ah non, je crois que le temps qu'il pige sur quel pied il fallait mettre là. Kylian Mbappé. Le centre. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qu'il vient de nous faire. Super. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. L'arrêt du gardien. On ralentit. Et Umtiti. Oh, l'arrêt réflexe. Là. Oh, l'occasion. L'occasion pour Paul Pogba. Un but. Il est sur la trajectoire du ballon de sa rentrée la semaine. Oui, j'ai vu. Un réalisateur qui nous propose le ralenti de ce but. Il a bien pensé avoir fait le plus dur, mais le voir a bien suivi l'action. C'est un but d'opportunisme. Un but. Un but. Et l'équipe de France qui mène donc. Je vais faire des gris-gris. Hein. Je vais marquer. Je vais faire Manchester City. Le roi Sané. Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Alors, il a complètement manqué ce coup franc, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. Hein. Mbappé. Le ballon qui sort. On gagne du terrain. C'est dans le paquet pour Giroud. La relance pas terrible. Ce sera sans difficulté pour Emerson. Non. Sterling. Ah non, ça n'ira pas plus loin. David Silva. Oh, il est passé. Superbe geste technique. Ouais, c'est magnifique. Allez, attention, soit. Voilà, coup franc. Genre, il y a foot, quoi. Le gardien qui ne peut que repousser. Elle, la voilà, la frappe. Il était dans un angle impossible. Mais ça a bien failli rentrer. Ouais, enfin, il a peut-être pas choisi la meilleure solution. Sur ma tablette. Mbappé. Et il a du soutien. Ouais, le toit marchait pas. Les Français qui vont bénéficier d'un coup franc. Ça marchait pas. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Et puis la tablette, elle marchait pas. Ah, facile la récupération. Tu es dit, choisis la frappe. Oh, ça aurait pu être son doublé. Les grands gabarits qui sont présents en défense. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. On va peut-être assister à une contre-attaque. Et il continue tout seul. Oh non. Oh, il est passé. Allez, il continue. Ah, il tacle moins sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. Kylian Mbappé. Bah parce que c'est mon titre. Ballon intercepté. Je joue à FIFA. Et après je mets mes trucs de chaîne. Pour que les gens connaissent mes commandes. David Silva. Ah non, c'est trop fort. Bien trop fort. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Ce ballon qui est dégagé en touche. David Silva. Mais c'est ce que je fais, je sais pas. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Une opportunité de contre, vite avortée.
Ouais, peut-être. Elle touche, le ballon a été dévié. Sterling. Pour un équipier au second poteau. Ah, pas terrible, hein, le dégagement. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, c'est bientôt la pause. Manchester City accroché pour le moment. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. C'est dans le paquet pour Giroud. Oh, la belle tête! Surtout quel arrêt, une action splendide. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, il s'est heurté à la défense. Allez, ballon est libre pour Sterling. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. David Silva. Kevin De Bruyne. De Bruyne, oh, il y a un vrai danger à Kevin De Bruyne. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe! Elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Allez, tout est à refaire, un but partout. Kanté. Ouais, elle passe par le côté. Bonjour. Bonsoir. Attention, parce que la menace est toujours là. La passe est interceptée. Ouais, c'est bien taclé. Bonsoir les gens, bienvenue. N'hésitez pas à parler sur le chat. David Silva. Kylian Mbappé. De Bruyne. Les 30 derniers mètres. Attention, il n'y a plus que le gardien. Mais non. Penaguero qui frappe. Que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. De Bruyne, Kunagüero, Agüero, peut-être une frappe. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Danilo. On va peut-être assister à une contre-attaque. Et la contre-attaque qui se poursuit, c'est dans le paquet pour Giroud. Oh, j'ai cru qu'il y a la hauteur, mais ça passe finalement à côté. Et c'est reparti pour 45 minutes. Espérons qu'on prenne autant de plaisir qu'en première période. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, il y a du monde pour reprendre. Sterling. Sané. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Il s'infiltre, attention. Un équipier au second poteau. Allez, il repousse, ça joue. Ouais, le but! Ah, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. L'engagement à l'instant, l'équipe de France qui doit absolument réagir. Période dénuée. Da Silva. Alors le ballon est perdu. Non, 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 le drapeau s'est levé, ça va être un hors-jeu. N'Golo Kanté. Fernandinho. On s'approche du but. Olivier Giroud. À 30 minutes, ce dégagement. Choisit la frappe. Oh,
Mais putain. Lucas Hernandez. Ouais, bonne sortie du gardien. Oh, ouais, fallait y aller sur le ballon. Oh, attention, ça peut coûter cher l'erreur. Oh, il passe pas, il s'est fait reprendre. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Un remplacement qui s'impose. Et bah, moins des. Gabriel Sidibé. Non, je sais pas. C'est le tirage, ça. C'est comme ça, en gros. C'est le gars qui est dispo qui. Le corner de Griezmann. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. On a atteint l'heure de jeu. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant est bien vu, il y avait hors-jeu. Sauf là où c'est. Je sais pas quoi là. La talonnade est interceptée. Sané. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Oh, c'est chaud, hein. Oh. Ah oui, c'est très net, coup franc. Ah, facile la récupération. En ligne, c'est chaud. Hein. T'as des mecs qui sont. C'est chaud quand même. Et il l'a éliminé, attention. Ouais, ils sont nombreux. Elle la voilà la frappe. Ouais, rien que ça. Ouais, bien sûr, ils se baladent. Comme un dimanche. Ouais. Allez, c'est dur. Ça va promettre un autre, mais. J'ai mis la faute là. Je vais la faire, hein. Ça va faire faute. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, la bonne passe d'Aguero, c'est dangereux. Ouais, la bonne claquette du gardien. Et ça sera un corner pour Manchester City. Et Otamendi. Plus genre. Ouais, c'est pas la frappe du siècle, cette frappe, mais bon, elle est au fond. J'ai cru que la frappe allait être trop mal pour inquiéter le gardien, mais la précision a fait le reste. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Durant le CDB. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Le centre vers ses coéquipiers. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Bernardo Silva. Durant le CDB. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Bernardo Silva. Ouais, bon, tac, il a pris le ballon. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Blaise Matuidi. Encore Matuidi. Passe mal assuré, c'est une interception. Ah, dommage, le manque de précision, c'était bien vu, hein, pourtant. Alors, c'est pas bien joué cette tête. C'est sûr qu'il n'y a que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne, mais à l'arrivée, ça fait des mètres. Fernandinho. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Fernandinho. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Et on sent que les supporters locaux, ils ont pris un sacré coup sur la carafe. C'est clair, Hervé. Alors, que va dire l'arbitre après cette faute? On balle les couilles. Il n'y a qu'à faire plus de passes. Carton jaune. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. De Bruyne.
Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention à la frappe. Ah non, manque d'application. Quelle merde. Mieux à faire, c'est sûr. Samuel Umtiti. Et là. Et cette faute qui donne un rouge, là. Franc vraiment dangereux. Genre. Hein. Non, tu fais pas ça. Hein. C'est pas bien. On voit cette intervention défensive irrégulière. C'est un peu emporté sur cette attaque glissée. Allez, c'est... Elle est tellement adroit dans cet exercice que concéder un coup franc dans cette position, c'est s'exposer à un grand risque. Ah, c'est le but que je viens de te mettre. Pleine de vue. Ah, c'est bien ce qu'ont fait les joueurs sur ce but. On va revoir tout ça au ralenti. Le joueur qui est parfaitement sur ses appuis au moment de frapper le ballon. Rien à dire. On voit ce coup franc superbement bien tiré. 4 à 2. Avant ce magnifique tableau d'affichage. Il s'avance vers la surface. David Silva, encore quelques mètres. Il a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Kevin De Bruyne. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, signalé hors jeu, Kun Agüero. Viré de Sidibé. Le ballon de Fekir. Il repousse le gardien qui repousse. Il y a des fautes, quoi. L'arbitre il siffle rien. Oui, il siffle la fin du match. Ouais. Umtiti, oh, l'arrière réflexe. Là, oh, l'occasion pour Paul Pogba. Tu veux te faire un autre match ? Tu veux te faire un autre match ? Non, pas ça. Je m'en fous de la carrière d'Alexander. C'est tout fini. Là, il y a... Tied 973 et l'infusion. Qui sont sur le stream. Les gens à qui je vois pas encore les messages. Prince Pirou. Pendant des années, la spécialité des Français, c'était d'inventer les compétitions. Et on finit par remporter finalement quand même deux titres majeurs. C'est pas dommage, vu qu'on a quand même inventé et le championnat d'Europe des Nations. Ah oui, le bon ballon là.
Un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. À quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. On voit l'équipe avec le but de balle, le contre est lancé. Olivier Giroud. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Les Bleus qui font la course en tête dans cette partie. Ah, il y a carrément le ballon à l'adversaire. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Oui, c'est pour Griezmann, ça. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Il est en train de les rendre fous, les défenseurs. Olivier Giroud. Et un deuxième but, pratiquement dans la foulée du précédent. Et c'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? Et voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Et ça qui est là. Pogba. On s'approche du but. Ah oui, la bonne passe. Et la touche sera pour la France. Mbappé. Allez, après tout, pourquoi pas. Oh, le centre peut-être. Oh, la bonne occasion pour Olivier Giroud. Eh oui, elle est arrivée. Encore le gardien, bien capté. Elle passe de la tête. Le bleu à l'attaque avec ce ballon. Olivier Giroud. Oh oui, le but. Et c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Excellent. Passe entre deux joueurs. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Carrio. Parfait. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah, il s'est donné par-dessus. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Oh, attention, c'est pas... Il va marquer. Eh oui, Antoine Griezmann qui marque pour l'équipe de France. Et il est content, Griezmann. Il va nous faire une petite célébration sympa, je le sens. Ce but qui va nous valoir de belles images au ralenti. On va bien en profiter. Il a bien pensé avoir fait le plus dur, mais il aura bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Parfait. Alors le ballon est perdu. Il avance encore. Mbappé en bonne position. Ce sera une touche. Il y a pas mal de monde pour le presser. Ouais, il passe par les côtés. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ah oui, la tête plongeante et but. On revoit le geste parfait sur cette tête plongeante. Tout est bon, surtout le timing. Hein. Le gardien ne s'y attendait pas, je pense. Il a été pris de vitesse. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ah non, non, c'est le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Traversé par terre. Ouais, du point, le gardien. Avec un tir. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais le défenseur est bienvenu. Je suis obligé, le tireur a précipité son geste. Il cherche Griezmann avec ce ballon. La frappe, Griezmann, c'est une balle de but ça. Et elle est au fond. Un petit peu mollassonne la frappe, hein. Pas suffisamment appuyé pour prendre le gardien à défaut, c'est en tout cas ce qu'on pensait. Et finalement si. Voilà, on revoit ce but, un peu de finesse et de précision, ça fait du bien de temps en temps aussi. Ah, clairement, c'est pas les bonnes chaussures qu'il a, Griezmann, elles sont vertes.
pas noir. Marfan. Antoine Griezmann qui continue. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Ballon bien donné de la tête. Ah non, c'est trop fort, bien trop fort. Attention à la frappe. Pas de problème pour le gardien. Il va frapper ce corner. Le dégagement pour éloigner le danger. Je sais pas si t'as vu, j'ai joué un peu ce tantôt là. Oh, le bel arrêt. Ouais, magnifique. Bien joué le gardien. Ah, Flo. Le corner. Je sais pas si t'as vu ce tantôt, j'ai joué un peu. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. À 30 minutes ce dégagement. Le danger reste imminent. 15h, c'est pas ça, je crois. Choisis la frappe. Oh, c'est au-dessus, c'est même très au-dessus. Le joueur blessé qui ne peut plus tenir sa place, Pierre. Oui, le remplaçant n'aura pas eu beaucoup de temps pour s'échauffer en plus. Bonsoir. Bienvenue. Merci, Modo. Merci mon modo. Samuel Umtiti. Le duel avec le gardien maintenant. Il prend sa chance. Ouais. Il avait son temps, il avait tout son temps sur cette occasion. Il l'a fait partir. Il a fait n'importe quoi. Il a peut-être eu peur du gardien, je sais pas. C'est dur à analyser un loupé à ce niveau-là. En profondeur, oui, bien vu. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Et ça fait but. Ouais. Ça fait donc 3 buts hein, pour Antoine Griezmann. Alors on voit son troisième but dans ce oui. match. La défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Hein. Il est en train de faire un récital. Non, c'est en trop. L'avantage quasi décisif. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Antoine Griezmann qui frappe. Une belle action, totalement gâchée, hélas. Ouais, le joueur est en colère après lui. Il sait qu'il s'est loupé là. La passe n'arrivera pas à destination. Le but à l'attaque avec ce ballon. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Eh oui, Antoine Griezmann qui marque pour l'équipe de France. Je... Il est content, Griezmann. Il va nous oui, trois spectateurs, j'en ai qu'un sur la télé. Le buteur qui était idéalement placé. Ouais, Lobé, il est là, l'infusion. Et Flo, ok. On voit ce but sous un autre angle. Non, mais ma télé, elle devrait mettre 3 normalement. Ah, le match qui a clairement tourné pourquoi, maintenant. Là. Ah, bah là, oui, il a pas le bug. Il a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, hop, cours là-bas. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le tir. Ah, la part. Oh, attention, Giroud. Ah, oui, parfaite la récupération. La passe lui, le gardien a sorti au point. Ah, Pino. Allez, corner. N'hésite pas à parler sur le chat. Hein. Non, pas toi. Allez, pleine surface, le corner. Toi, tu peux me parler. Tout le monde passe bien, tout au fond. Bon, alors. Et il n'a pas réussi à cadrer cette tête. Ouais, puis je fais partie du lot parce que je l'avais senti plutôt appliqué. Le quatrième arbitre je vais te montrer après. 4 minutes de temps additionnel minimal. Un bon ballon d'attaque. Oh, la bonne occasion. T'as payé Gold demain. Ah. Pas cool, ça. Un gardien qui repousse du coin. Ouais, elle a pas part. Ce ballon, il finit loin du but. On voit les chiffres de Antoine Griezmann. Très bon match hein, du Mâconnais. Mmh. Il se calme, il est en train de nous traumatiser le gardien adverse là. Déjà qu'il est allé chercher plusieurs fois le ballon au fond de ses filets. Mmh. Dans l'ensemble, il cadre fort.
Ouais, bon mouvement. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, il y a du monde au second poteau. Un superbe tête qui ne laisse aucune chance de gardien. Ah, et l'anticipation, la puissance, la précision, il y a tout. Ah, c'est un superbe but de la tête qu'on revoit sur ce ralenti. On vous laisse admirer le timing, la finition. L'enchaînement parfait sur ce but. Ah, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Le match est déjà plié à la mi-temps, hein, c'est mieux plié. Avec 45 minutes de jeu dans ce qui n'est que le deuxième. Et la suite de ce deuxième match de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Mais tu faisais quoi ? L'envoi a été donné à l'instant. Alors le ballon est perdu. Encore un bon ballon. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, Mathieu. Oh, attention, Giroud. Oh, la cool, un truc que j'ai déjà fait. Moi. Attention à ne pas trop se faire chahuter hein, dans la surface. Ouais, la frappe. Et ce ballon qui traîne. Le centre, c'est pour Griezmann. Le dégagement pour éloigner le danger. Raphaël Varane. Attention, il a du champ devant lui. Varane qui dégage son camp de deux points sur ce centre. Il choisit la frappe. Ouais, quel but! Magnifique! Ah, le temps que le gardien se déploie au sol, c'est trop tard. De toute façon, j'ai pas tardé à arrêter le stream, moi. Était particulièrement bien placé. Ah, bonsoir, bienvenue, vous êtes 4. Allez, du monde. Commence. Je vais arrêter. Ce match tourne à leur avantage. Raphaël Varane. Benjamin Pavard. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Pour Griezmann, ce centre. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Tu pourrais mettre les liens dans la description quand même, quand tu lis. De France qui se rapproche de la zone dangereuse. On va peut-être assister à une contre-attaque. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. L'équipe de France a récupéré le ballon. Ah oui, c'est bien fait ça. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Olivier Giroud. Ah non, c'est pas bien fait ça. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Il va falloir que j'enlève le Facebook parce que parfait. C'est la chaîne des celles de Foufou et. Pas la coup franc. Pardon. Oui. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters, c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. La passe n'arrive pas à destination. J'ai pas le temps en ce moment. La voie est libre. Je me pose un jour. J'ai pas le temps. Je fais mes commandes. Oh, quel réflexe! Oh, quelle parade! Magnifique! Et c'était pas évident à cette distance. Allez, changement dans quelques instants. Oui, parce que j'étais parti ramener un papier en haut. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Oh, oui, le but! Oh, le but pour les Français! Non, mais j'étais à regarder des trucs aussi, des trucs pour moi perso. On va voir le but au ralenti avec ces très belles images. Et une belle combinaison
Superbe ralenti. Ouais, il va falloir que je regarde les difficultés là-dessus parce que c'est bizarre quand même. Il semble prendre un avantage quasi décisif. On t'y regardera, je suis pas un amateur. Hein. Saint-Guivert, bonsoir. N'hésitez pas à parler sur le chat à vous, follow, c'est pas déjà fait. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. N'Golo Kanté, 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le duel avec le Fils, bonsoir, bienvenue. C'est un centre de la tête. Allez, l'anticipation. Atal. 25-03, bienvenue. Atal 25-03. Très bon jeu de tête. Le centre est bon, il lit bien la trajectoire du ballon. Un petit coup d'œil pour voir où il est. N'hésite pas de follow. Ce joueur qui doit sortir. À me rejoindre sur les bon réseaux sociaux. On n'est pas obligé de chanter. C'est pas obligé de chanter. C'est bon. Tu m'as fait partir un viewer, tu te rends compte? Il plus que 5 maintenant. Faut pas chanter. Oh but! Il est rentré quoi? Il y a quelques minutes? Au fond de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Un but qui fait du bien pour l'équipe de France. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi et derrière le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Raphaël Varane. Ouais, Cavani, ouais, il est. Certainement quelque chose à il est comment France. Il peut pas jouer le quart de finale. Il est blessé. Élongation du mollet. Ouais, finalement, il parvient à rester debout. Ah, mais il y a encore des bons joueurs. Ouais, que tous les bons joueurs se blessent comme ça. Il n'a pas trop eu besoin de s'employer sur ce ballon. Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est une grosse occasion. T'es fou, toi. Mbappé, non, mais allô. Ouais, peut-être une situation intéressante. Griezmann qui se blesse. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Benjamin Pavard. Faut pas qu'il fasse jouer Griezmann. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Le centre qui se fait pour le gardien. Tranquille. Ouais. Mbappé Giroud, ça marche bien. Il se trouve bien. Il a pas beaucoup touché de ballon l'autre fois là, mais. Des fois il se trouve bien. Qui laisse l'avantage pour l'équipe de France. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh l'occasion. Peut-être qui permet au gardien. Là, n'hésitez pas à parler sur le chat, hein. C'est fait pour ça, c'est gratuit. Il y a 5 personnes sur le chat, on dirait même pas quoi. Ah, sur le live. La remise directe, c'est bien vu. Puis des fois, on a des messages qu'on voit pas aussi. Je sais où faut aller. Ah, la passe en profondeur, attention. Qui stream plus d'ailleurs. Oh le but pour les Français. Et encore un but, histoire de parachever cette belle victoire. Et histoire de passer aussi les dernières minutes vraiment tranquille. Non mais il stream plus maintenant. Et là c'était tout. Tout beau, tout nouveau. Tout le monde voulait streamer et tout. Faut être tout le temps là. Avoir du temps et tout. Ça va. C'est pour ça que je prends le soir, comme ça j'ai le temps, personne, tout le monde dort. Ouais, bon ballon, ouais, la frappe. Oh, la parade du gardien à bout portant. Ah, il fallait le sortir, cet arrêt, franchement, c'est bien joué. Un corner, encore, ça pousse pas mal en ce moment. Ouh là là, tout le monde passe et qu'elle est tout au fond. Il n'y a plus un grand monde qui stream sa FIFA à cet heure-là, en français. Je l'avais senti plutôt appliqué. Le tir. Ouais, le bon arrêt là qui éloigne le danger. Alors, on va repartir sur un corner. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann.
Un péno. Un penalty. Ah, c'est net, oui. Penalty indiscutable. Il est bien sur ses appuis au départ du ballon, donc l'intervention est belle. Pogba, Tolpop, il va y aller. Un but tout en finesse. Non, il a arrêté le gardien, il a penché du bon côté. Mais t'inquiète, j'imagine 15-0. Oui, Hervé, ce qu'on pensait se confirme, il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Et c'est donc la fin. Bonsoir, bienvenue. Deux viewers en même temps. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à parler sur le chat. C'est gratuit. À vous follow si c'est pas déjà fait. Ah oui, attends. Paramètres. Paramètres. Oh, je suis en pro. Je me mets en quoi alors? Je me mets en champion? Ça, sur le stream, c'est marqué. Je suis en pro. Je me mets en champion, pire. Je vais me mettre en champion. C'est bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais encore être premier. Je vais encore leur marquer un 15-0 ou un 16-0. Là, les Français, moi je les vois loin quand même là. Je vois bien la Belgique et la France en finale. Une chaude ambiance déjà dans les tribunes. Avec l'équipe du Danemark contre la France en direct du stade Loujniki ici à Moscou. Il y a Titi Henry en Belgique. Le stade Loujniki, contrairement à d'autres, n'a ah, si, on peut. Aucun match de la Coupe des Confédérations. Ils vont loin là, si. La compétition générale est non avant la Coupe du Monde. Ouais, c'est un peu étonnant parce qu'on parle quand même du stade. Ah, c'est mieux là. Bon, il devait considérer qu'il était prêt en même temps. Quand tu parles, c'est mieux. L'équipe retenue par le sélectionneur danois pour débuter ce match. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. À quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs. Matuidi. Ah oui, ce serait bien en demi. Le ballon a été touché par le défenseur avant de sortir, c'est donc un corner. Allez, pleine surface. Oui, une finale. Ouais, une finale, c'est une demi-finale quand même. Cette action. Ah mais c'est encore un corner. Une moitié de finale quoi. Allez, pleine surface. Matuidi. Et le ballon dans les bras du gardien. Allez, nous alors. On stoppe que les gros nous. Ouais, le Portugal ils se sont fait. Au revoir Cristiano Ronaldo. Ça frôle le poteau. C'est vrai qu'on l'a vu ajuster sa tête bien comme il faut, mais c'est le premier surpris à avoir passé le ballon à côté du cadre.
Daniel Vaz. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais le Paris Saint-Germain s'impose petit à petit au plus haut niveau européen. Il va falloir maintenant aller rivaliser avec le Real, le Bayern, le Barça. Pour l'instant, c'est parti. J'imagine, passe pas le bon filet. Même avec la difficulté haute, j'arrive à marquer des buts. C'est déjà à 3-0. Deuxième but personnel aujourd'hui. Ah, le match qui a clairement. Moi je t'ai dit, le Brésil, ils iront pas loin. Le reste de l'année. La remise directe, c'est bien vu. Ouais. Le souffle Poulsen. Poulsen. Les Danois qui sont à l'attaque. Attention. Ouais. Alors le ballon est perdu. Ah, t'as pas vu le match de ce soir alors. Et la Croatie, il gagne ça, une chance. Vous savez, je l'ai regardé. Les soirs où je stream pas, c'est quand je regarde le foot ou. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. La Tuili, prend sa chance. Et donc, sortie de but. Bonsoir, bienvenue. N'hésite pas à parler sur le chat, vous êtes 5. Question Eriksen. Kylian Mbappé. Il a gagné son duel dans la surface. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ah, il s'est donné par-dessus, c'est pour Griezmann. La star là, personne. Il s'adonne ici. Ouais, il n'y a pas de français. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer. Mais ça serait marqué France-Anglais. Et lui qui parle les deux langues. Excellent. Oh, dommage, il était tout seul. Pa-pa-dam-pa-dam-pam. Ouais. Ouais, je t'ai dit, le Brésil, ils iront pas loin. Ils vont se faire niquer par le Mexique. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Le Japon, ils sont durs, hein. Ils sont pas faciles à battre. Hein. Benjamin Pavard. Paul Pogba. Paul Pogba. Et la frappe. Oh, cette frappe. Le gardien est un peu sur le ballon qui passe sous la transversale. Oh là là.
Très clairement, ce match tourne à leur avantage. Les 30 derniers mètres. Ouais, surtout qui peut tomber contre nous, quoi. Allez, le contre, il faut aller vite maintenant. C'est le face à face avec le gardien. Chercher le second poteau. Ouh là là, tout le monde passe tout au fond. Et il n'a pas réussi à cadrer cette tête. Ouais, puis je fais partie du lot parce que je l'avais senti plutôt appliqué. C'est un coup franc pour le Danemark. Ouais. Le Mexique qui passe, c'est sûr. Benjamin Pavard. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaquer. T'inquiète. Ils ont la mentalité et tout. Ils ont tout. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Pas tous. Hein. On peut tous se retransmettre. Hein. Je regarde Sabine, moi. Là, tu viens dans un tracteur. Les Danois qui vont peut-être créer le danger. Je trouve un fermier qui a un gender tout neuf. Non, elle a été interceptée, il a tout dedans. Ils ont bien bloqué là. Jorgensen. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Griezmann. La frappe de Griezmann. Et comme encore, ça pousse pas mal en ce moment. Ce joueur qui sort après avoir livré un très grand match. Hein. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Elle s'est repoussée du point par l'autel. La voilà la frappe. C'est le but qui a, après une période où on a eu vraiment des joueurs survolés leur sujet. Attends, je vais te dire s'il a retransmis ou pas. Maintenant, si le score ça devrait bien encore, les deux sélectionneurs vont sûrement faire entrer les remplaçants qui n'ont pas beaucoup joué jusqu'ici. Pleine surface. Benoît Fridi. Ballon bien donné de la tête. Mbappé, rapport de position. Saint-Germain s'impose petit à petit au plus haut niveau européen. Olivier Giroud. Là, il est pas. Même là-dessus, sur le calendrier, ils mettent même pas, quoi. Même d'accord. Ah, demain, il n'y a pas faute. On va faire quoi? Dans le tracteur, j'ai bim. Après le 11 juillet, ça sera diffusé sur TF1. Coupe du monde. La demi-finale. Du dernier carré. Ça va être propre.
l'envoi de la seconde période. Troisième match hein, pour ces deux équipes dans cette Coupe du Monde. Attention, il n'y a plus que le gardien. Attention à la frappe. Le gardien qui repousse. Il y a pas mal de monde pour le presser. Ah ouais, bien défendu. Eric, c'est. Ouais, bien joué la remise. Ça met une titi. Allez, par-dessus, pas mal. On a bien contre Vigo, mais c'est mal. Non, c'est pas le foot marchera autant. Ah, il a pas cadré. C'est comme tu me disais, Miss France marche mieux que le Téléthon. Monsieur Poulsen. T'as compris ce que j'ai dit là? Succession de passes très précise. Comme si tu me disais en gros, le Téléthon marche mieux que Miss France, alors que pas du tout. Ah, le match qui a clairement tourné. Si, des fois oui c'était en même temps. Maintenant ils ont arrêté de faire en même temps. Avant c'était en même temps. Avant ils faisaient les deux en même temps. Ah les fautes là. Voilà, attention, il est pressé, il est pris, ça peut être dangereux. Samuel Umtiti, excellente intervention défensive. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Il ira. On va peut-être il y aura moins de monde sur le vélo que sur le foot. Si la France est en demi. Il ira. Ah non, ballon perdu. C'est dégagé du point. Et la passe est interceptée. Bien négocié par le gardien. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Oh, ouais, tu l'avais le 3 par là. Oh, l'occasion. Il a manqué de lucidité, de relâchement. Pas la peine de chercher plus loin. 5-0. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. L'équipe de France qui part à l'attaque. Il centre au second poteau. Oh, le gardien qui s'en sort. Oh, c'était pas évident. Il était. Si, si, non. Il arrive à mettre 6 buts quand même. En mode champion. Allez, belle cette action, bien me plaît. Oui, tout le monde fort, mais que dire de cette tête hein. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Allez, français, il faut se créer l'occasion. Pour le contact, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Allez, 2. Là, t'as intérêt à prévoir ton vélo alors. Allez, passe quand même. Allez, plus franc pour la sélection danoise. C'est toujours là. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Le gardien qui va sortir. Après, si j'étais les grands-parents, il y a un bar pas loin. Tu vas voir le match au bar. Tu te poses. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, il faut plus, ça n'ira pas plus loin. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ouais, Matuidi dans l'espace. Il a perdu de position. Oh, le but, oui. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Superbe performance personnelle. Joli triplé, en effet. Il va peut-être pas s'arrêter là. Hein. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Favori qui a répondu présent dans ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Il va paraître encore un peu plus facile maintenant. Allez, Pogba qui poursuit son action. Allez, la bonne passe. Le manque de précision, c'était bien vu, important. Et Mbappé. Oh, le but signé qui est Mbappé. Non.
Moi, je préfère aller 10 fois au... genre, en ville ou je sais pas où. Attends, j'habite tout à côté du centre-ville. Ouais, je peux dire que les matchs de foot anglais, je vais les voir sur grand écran. Ouais, tu vas en vélo. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Vous avez fait un vélo, il y a peu de soucis. Hein. Le gardien, c'est pas fini. Il y a du monde sur lui. Oh, il a du soutien. Je l'ai fait quand même. On va pouvoir centrer. Pour Griezmann, ce centre. Voilà, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Kylian Mbappé. Ouais, il n'en revient pas justement parce qu'il s'y était pas mal pris du tout. Dommage. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes. Ça c'est bien, moi que je prenne mes vacances tard, comme ça il n'y aura personne sur les routes. Et les entraîneurs adorent hein, quand ça se passe comme ça. Le remplaçant qui marque, comme ça tout le monde dit bon coaching. Un ballon magnifiquement distillé, bien dosé, Pierre. Bien frôlé là, précision sur l'horlogerie. Ah, c'est probablement le coup de massue, il ne peut pas revenir. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Ah, l'attaque enrayée. La défaiteur. Kylian Mbappé pour Griezmann, ce centre. J'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste. Il m'a dit 10-0, ça serait déjà bien. J'en mets 9. L'équipe de France qui part à l'attaque. Et tire. Voilà, danger éloigné, mais ça joue. Ah, le ballon qui a failli sortir en corner. Il va y avoir un changement côté danois. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Il prend sa chance. Oh là 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 là. Ah, il a pas cadré. Pogboul. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Pourquoi tu dis ça? Et Benjamin Mendy à l'interception. Ah moi je n'ai pas le temps qu'il a fait chez nous là. Temps pourri mon gars. De l'orage à foison. Moi je suis en Charente-Maritime donc du coup plus proche de la mer toi. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Ouais. C'était pourtant bien donné. Je suis de La Rochelle, moi, là-bas. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. J'habite à La Rochelle, moi. Voilà, c'est quoi? Une récupération sans effort pour l'adversaire. J'habite à... 5 minutes du centre-ville. Ah, ma maison, elle est à 5 minutes du centre-ville. Non, tu m'appelles pas. Bon allez, moi je vais arrêter. Avant que tu me reconnaisses. Bon, bah moi je vais, voilà, couper le stream. Voilà, Twitch, on se laisse là-dessus. YouTube, pareil. On like,
on s'abonne, on laisse un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.